Les tissus conjonctifs, cartilagineux. Comme le tissu conjonctif cartilagineux ou le tissu cartilagineux fait partie des tissus conjonctifs, nous allons le voir en détail. Je commence par une petite généralité en parlant du tissu conjonctif. Les tissus conjonctifs cartilagineux sont, comme tous les autres tissus conjonctifs, constitués de cellules et de matrices extracellulaires. Les cellules sont disjointes et dispersées. Ça veut dire qu'il n'y a pas de jonction cellulaire. Il n'y a pas un tissu comme le tissu épithélial, par exemple. La trice, elle est abondante et homogène. Pour les fibres, il y a une caractéristique entre les fibres et la substance fondamentale. Laquelle? Les fibres et la substance fondamentale ne se distinguent pas. Ne se distinguent pas sous microscopique. Pourquoi? Parce que les deux ayant les mêmes indices de réfraction. Les mêmes indices de réfraction. Le tissu cartilagineux, elle est mal innervé. Ça veut dire qu'il y a un nombre restreint, on peut dire, de nerfs. Elle n'est pas vascularisée. Les tissus conjonctifs cartilagineux ne sont pas vascularisés, parce que vous allez voir trois types. Ne sont pas vascularisés. Et si on parle de quoi? On parle de la nutrition. La nutrition du cartilage. Comme ne sont pas vascularisés, elle se fait par comment? Elle se fait par diffusion. Par diffusion ou bien imbibition. Donc, on parle ici de quoi? De la diffusion et de l'imbibition. Au niveau des vaisseaux sanguins et des vaisseaux lymphatiques du périchondre, vous allez voir qu'est-ce que ça veut dire un périchondre et un tissu conjonctif cartilagineux. Nous avons le cartilage au milieu et nous avons le périchondre en périphérie. Vous allez le voir. Le périchondre, il est responsable de la nutrition du cartilage. Responsable de la nutrition du cartilage. Mais nous avons un problème avec l'âge. La matrice, elle devient plus dense et la diffusion plus difficile. C'est ce qui caractérise le tissu conjonctif cartilagineux. Le tissu conjonctif cartilagineux. Donc, les tissus conjonctifs sont mal innervés avec une régénération très réduite. Réduite, dernier, n'a sa régénération. Vous allez voir deux types de régénération du tissu cartilagineux ou du cartilage. Les pertes du cartilage, les pertes chumanaires, ça a une dégradation au niveau du cartilage, au niveau de quelques-uns du cartilage, peuvent être remplacées par une prolifération du périchondre. Ça veut dire que le périchondre qui entoure le cartilage, le périchondre négatif, la périphérie du cartilage, le périchondre c'est quoi? C'est un tissu conjonctif aussi. C'est un tissu conjonctif comme le cartilage. Le cartilage c'est un tissu conjonctif et le périchondre c'est un tissu conjonctif. Le périchondre est responsable de la nutrition et de la prolifération du cartilage. Et nous avons des cellules au niveau du cartilage qui vont se différencier pour libérer la substance fondamentale. Mais la grande majorité de la prolifération se fait par le périchondre. D'accord? La substance fondamentale du cartilage est solide. Solide comme le tissu osseux, mais elle est déformable, à l'inverse du tissu osseux. Elle est solide, mais déformable. Déformable, il y a de l'acadrophilie. Les tissus conjonctifs cartilagineux se forment à partir des cellules souches. C'est ce qu'on appelle les chondroblastes. Mais les chondroblastes proviennent elles-mêmes d'un tissu, de cellules mises en schémateuse. Des cellules schémateuses qui donnent les chondroblastes et les cellules schémateuses donnent les chondroblastes. Les chondroblastes peuvent se différencier pour donner les chondrocytes. Et en même temps, les chondroblastes libèrent la matrice extracellulaire. Les chondroblastes à la périphérie qui participent à la libération de la matrice extracellulaire et peuvent se diviser pour donner les chondrocytes. Les chondrocytes au sein
du cartilage, parce que les chondroblastes à la périphérie du cartilage, vous allez voir un schéma, mais les chondrocytes se retrouvent à l'intérieur du cartilage. Et les deux proviennent des cellules mises en schématose. Les cellules mises en schématose, ça veut dire que l'origine du cartilage est mise au dernier. Mise au dernier, le fluide intermédiaire à partir des cellules mises en schématose. D'accord?